Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la permission de l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, j'ai revu ma copie. Donc, apparemment, pour les mods, il fallait faire. Ça, ensuite ça, ensuite ceci, hop, ensuite potentiellement ça, et normalement là. Oh, Valentine. Alors tirez-vous. On reprend la route. On avance. Oh, d'accord. Marche pas. Gras. Viens, mon grand. Il est temps d'y aller. Ça marche vraiment pas, hein. Alors, c'est bien d'installer des mods et de les faire fonctionner, mais alors bon... Bon, bah, un instant. Deuxième tentative, chers amis, on va réessayer. Hop. La crapule. Hop. Alors attends. Déjà payé. Crac. Voilà. Nick. Nick. Est-ce que là ça marche? Commandez! Wouhou! Kenigou, il est où? Kenigou? Ils m'ont pas dit grand chose, chez Voltec. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. Kenigou? J'étais censé gagner. Gah! Quand c'est pas là! Hop! C'est l'autre. Du couteau à viande. Et commander. Ah bah si, ça marche. C'est ce que je suis très mauvais. Donc fallait cliquer sur le personnage avant. Cool. Cool, cool, cool. Et bah écoutez, c'est génial. J'adore. Et bah on va se re-téléporter à Foragun. Maintenant qu'on est un petit peu plus vide. Qu'on a réarmé notre... notre Nick. J'espère que ça va lui plaire, le 44 à lunettes. Hein. Personnellement, je n'aurais pas mis de lunettes, je l'aurais enlevé, mais enfin bon. Comme enlever une lunette, ça nous coûte des ressources, je préfère ne pas chercher plus loin. Alors, comment rentrer? Bah écoutez, on est déjà au courant de comment rentrer là-dedans. Hein. On a déjà trouvé la dernière fois. Si je ne me trompe pas. Les mecs? Qu'est-ce que c'est qui est prêt à vous attaquer? Je ne sais pas. Il n'y a rien. C'est bête, on commençait à devenir copains. C'est bête, on commençait à devenir copains. Qui est con. Hop. Alors pourquoi il veut pas me... Foragun, voilà. Alors. Fouillez fort à Gun. Et ils sont tous les deux là, c'est génial. Il y a quelqu'un. What? Ils ont repop. Oui.
Oh non. Détecté. Curieux. Étrange, mes capteurs doivent avoir. Mes capteurs détectent une présence ennemie. Je détecte une activité furtive. Mes capteurs doivent être trop sensibles. Vous voilà. Quelqu'un. Yo. Ils ont endommagé. Kellogg ne sera pas content. Kellogg ne sera pas content. Je vois ce qu'il semblerait que... Tiens. Vous avez entendu ça? Voilà. C'est tout. Ça, c'était vraiment c'est couillant. Cool, ça. Oh la vache, j'avais pas vu ce truc là. Il était pas là la dernière fois. Ok, pourquoi pas. Il est balèze en tout cas, quoi que ce soit, c'est balèze. Il semblerait que votre tentative de discrétion dans les murs. Ait échoué. Cible repérée. Capteur principal dans un état critique. Je suis en domaine. Bonne manière de faire bouillonner mon liquide de refroidissement. Je suis tout seul. Je crois qu'on est pas seul. Qu'il en reste plus. Ah si, tiens. Vous croyez qu'ils sont partis pour de bon. À l'avenir, évitez de nous sous-estimer. Ça vous branche, les antiquités, hein. Un truc okay. Fort again, l'élimination de l'ennemi. Ils sont là, il y avait un ascenseur, là, la dernière fois. Putain, mais j'ai raté tout ça. Tant qu'on s'en sort. Fort again est sous l'autorité de l'Institut. Élimination de l'intrus. Écoute, je vous attends, hein. Fou putain. Je vous attends, sauf si vous venez à mon niveau. Hein. Ils ont pas regardé à la dépense. Non, comme tu dis. J'ai cru entendre Kellogg à nouveau. Ok. Quelqu'un approche. Vas-y, Canigou. Servomoteur de membre supérieur endommagé. Ils embêteront plus personne maintenant. Élimination requise, élimination requise, tu vas te calmer, oui. Oh putain. Il n'y avait pas autant la dernière fois. Le pauvre. Il a été complètement défoncé. Il semblerait que ma cible ait disparu. Complètement défoncé, le pauvre. Ah oui. Le truc Tesla. Il nous avait fallu désarmer. Ok. Ils sont au-dessus, mais ils me sentent. Je te sens, mon garçon. Référence à... Oh putain, mais qu'il est con. Mes capteurs indiquent une forme de vie organique dissimulée. Bah écoute, tant mieux pour toi si tu l'indiques.
Un ennemi semble employer des manœuvres furtives. Intéressant. On n'a pas une grenade sur nous. Je finirai forcément par vous détecter. Bah tu devrais y arriver normalement, oui, effectivement. Et de 1. Vous voilà. Et de 2. Le troisième, c'est la tourelle. Maintenant, fini de rire. Et on est bon. Donc. Direction. Le sous-sol. Donc c'est bien les canettes qui m'intéressent. Pas par là ? Apparemment, je suis pas au bon endroit du bâtiment. Cependant, par là, on avait vu un ascenseur qu'on n'avait pas vu la dernière fois, bizarrement. On appelle. Hop. On descend. Descente. Étage. Ils nous ont suivis, les autres tintouins, ou pas ? Non, apparemment, elle est tout seule. Vous avez vu là-bas ? C'est pute. Est-ce qu'on va venir voir le cadavre ou pas, selon vous ? Veuillez vous montrer. D'accord, c'est bien ce qui me semblait. Oh. Ah, je comprends. Il fallait mieux vous fuir, vous cachez, en effet. Car vous avez peur de la mort. Qu'est-ce que c'était que ce bordel ? Ah d'accord, c'est Kenigou qui est arrivé. Pas d'autres pièges. Collectionnez les cochonneries maintenant. Mes capteurs détectent qui que vous soyez. Je sais que vous êtes là. J'espère bien que tu le sais. Oh putain. Vous avez vu au sol? Oh. Je sais que vous êtes toujours là. Kenigou qui me regarde en mode j'ai confiance en toi. Je sais que tu ne feras rien. Hop. Génial. Bon, vu qu'on a quelques cartouches de pistolet. Je vous tiens. Oui d'ailleurs, tu nous tiens, mais. Hop les. Et t'as plus de faciès. Good. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. C'est pas comme si c'était possible de transpirer. Bah oui, t'es un robot. Maudit Huglant. Ok, t'avais une super matraque. La suite. Une vieille connaissance. Oh. Alors, on est enfin sorti du congélateur. Sans vouloir vous vexer, la date de péremption est dépassée depuis longtemps. Oh, et en plus il me parle mal. Bien joué, j'aurais dû le voir. J'aurais dû le voir. C'est pas grave. Déjà, quand je te fournis des grenades à impulsion, c'est que tu sais à quoi tu vas avoir affaire. Franchement, c'est des robots. Tu me diras, on a vu que ça depuis le début de la zone, mais.
Ouais. Ok, je prends. Cartouche électromagnétique. Oh, va y avoir une Gatling. Oh, ça sent la Gatling laser, ça, chers amis. Soyons honnêtes. Ça sent la Gatling laser. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle, alors. Canette. Oh, j'ai pris une robe, sans faire gaffe. Merde. Ça sent la Gatling laser, j'aime ça. Si vous saviez comme j'aime ça. Vu le style qu'elle a dans cette... Voie à l'air libre. Elle était bien posée pourtant, je reconnais que là, celle-là, elle était vraiment... Pas de piège? Non. Non. Après une sieste de 200 heures, vous avez dû avoir un choc en voyant l'état de la maison. Mais on n'a pas de place pour vous ici. Désolé. Comment ça, pas de place? Oh là là, centre de commandement de Forhagen. Qu'est-ce que c'est là-dedans? C'est aucun imprimé de qualité militaire. Ouh! Bobine de relais énergétique. Ouh! Rien d'intéressant par là. Je ne m'attendais pas à vous voir frapper à ma porte. Je vous donnais une chance sur deux d'arriver à Diamond City. Pour le reste, je pensais que le Commonwealth allait vous bouffer tout creux. Eh ben non. Vous avez vu là-bas, dans le fond? Mouvement détecté. Quelqu'un approche. Bah alors? Ça marchait beaucoup moins bien, hein? Je sais pas ce que t'en penses. Hop. Apparemment, il y a une tourelle aussi dans le coin. Restez sur vos gardes. Il va peut-être essayer de nous tendre un piège. Oh, il a senti un piège. Intéressant. Par contre, si tu commences à me dire qu'il y a des pièges et qu'il n'y en a pas... On va pas être copains. Certaines personnes pourraient vivre toute leur vie dans un sous-sol. Ouais, je comprends. Si on s'en sort vivant, je paie ma tournée. Regardons bien au sol, ne nous faisons pas avoir bêtement. Bah alors, on perd la tête ? Il doit être hyper badass celui-là. Wouhou! Dégâts explosifs à l'impact. Si ça c'est pas la classe. Ah, je suis trop lourd. Seriously? Ah ouais. Pourtant j'ai pas pris énorme. Ah si, j'ai ça, exact. Exact. Hop. Ah ouais. Hop, écoute, on va bouffer ça. Non, c'est toujours pas le cas. Il y a un ragoût d'iguane en plus. Non, toujours pas. Bah, je bouffe ta pâté pour chien, Canigou, je suis désolé. Ok, vous êtes en colère, je peux comprendre. Mais ce que vous essayez de faire là, ça ne marchera pas. La porte est verrouillée par là, j'imagine, oui, forcément. Tant que c'est vous qui le portez. Oh, mais tu vas te calmer, oui. C'est encore moi qui gère. Hein. Oh. Et B. C'est quoi, des cartouches de cigarettes?
Terminal déverrouillé expert. Oh. Throwers. Bon. Ah bah tiens. Commande de la tourelle. Désactiver. Ah merde, j'étais con. Diagnostic système. Est-ce que je peux plutôt reprogrammer la tourelle? D'accord. Formation sur votre système de défense. Si je veux l'activer. C'est tout? Vraiment on désactive, je pensais que je pouvais les retourner contre mes ennemis, mais non. Valentine a aimé. Comment on a la distance de la porte? J'aimerais bien savoir de quelle porte c'est en fait. Mais non. Ah d'accord, je peux pas. J'ai une commande à distance de la porte, mais je ne peux pas l'activer, c'est pas d'ici. En gros, le jeu ne me dit rêve toujours. Transportez trop de choses sur vous. Canigou. Psst. Tu vas porter mon bordel, s'il te plaît. Je te file le fusil pulseur. Ouais, je te le file. J'en ai déjà un. Je suis con. J'ai lance-glaçon. Ok. Et ici, il n'y a rien à part... Ah d'accord, c'est cette porte de sécurité là qui est verrouillée en fait de manière normale. Arbla. Voilà. Ça y est. Bah alors, fais de la résistance. Wouh. Qu'est-ce qu'il y avait là-dedans? Que de la merde. L'argent. Une montre. Nul, nul. D'accord. On progresse. Oh. Bidon en aluminium. Ah bah oui, forcément, c'est de l'aluminium ça. Attention au piège, Kenigou. Je sens un danger. Oh mon dieu. Il sent un danger. Les cabinets. Hein? What? C'était une erreur. Aucun ennemi détecté. Oui, c'est une erreur. T'as cru? Hop. Mes capteurs détectent une présence ennemie. Mais non. Ohé. C'est dans ta tête. Ohé. Oh voilà. Ciao mon pote. Désolé. Je crois qu'on n'est pas seul. Désolé. Quelque chose à dire pour votre défense? Rien du tout. Tant mieux. C'est ce que j'attendais de vous. Que vous fermiez votre sale gueule. Voilà, c'est dit. Oh putain! C'est saoulant! Qu'est-ce que j'ai qui pèse aussi lourd? C'est pas ma bouffe quand même. Canigou. Dis-moi ce que j'ai qui pèse aussi lourd. Ouais, je reconnais, j'ai un lance-missile et un Fatman sur moi, mais alors? Ouais, c'est vrai que j'ai un lance-flamme aussi, bon. Mais les deux sont utiles! Tiens, déjà ça. Ah, c'est pas faux, ça pèse lourd. Manuel brûlé, t'es sérieux? Bon, déjà ça, c'est pas grave. Oh là! Oh! Bonjour. Ça, ça pèse lourd par contre. Ça, je le sais. Les munitions? Je prends.
Oh, grande boîte à outils déverrouillée novice. Qu'est-ce que ça fait dur à déverrouiller? Joli. Rien d'autre. Allons-y. Hello? Papaï? Macalona papaï? Oh! C'est toi? Oh! Oh! Drogue! Il y avait de la drogue! Il y en avait partout! Plateau télé. Est-ce que tous les plateaux télé sont en aluminium? Nourriture moisie. Oh! Putain, ce coup de bol! Excellent. Ah, c'est les dégâts critiques qui augmentent. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, hein, franchement. Hein. Mouvement détecté. J'ai réussi à vous détecter. Y'a rien. C'est tout. Ah, j'ai morflé. Mais c'était pas. Mais d'accord, c'est pas Valentine. Je ne peux pas vous laisser poursuivre vos attaques. Kanigou, il est pas trop amoché. Un bien de l'institut. Système endommagé. Bon sang. Ça va? Quand même pas très doué les gars. Franchement, soyons honnêtes. Oh, boîte d'explosifs. Bla. Bon, c'est vrai que j'ai un peu bourré la serrure. C'est bon. Ok. Il n'y a rien là-dedans. Rien là-dedans non plus. Ok. On roule. On n'est pas tout seul. Hop. J'espère pouvoir choper ce qu'il faut au niveau aluminium. Vous avez du cran, c'est vrai. Et vous lâchez pas le morceau. Mais vous savez pas dans quoi vous avez mis les pieds. Oh. Oh. Hello. What happened to you? Mot de passe de l'arsenal de Foragun. What? Bon, on a le mot de passe de l'arsenal, alors c'est cool. Pousse-toi. Votre attaque furtive a pas duré les gars. Vous devez jamais commencer ce qu'on peut pas finir. Synthétique de l'institut endommagé. Directive. Beau travail. C'était dur à buter celui-là, apparemment. J'ai plus assez de balles dans cette arme. Ok. Plastron de synthétique. Oh. Oh. Une armure synthétique complète. Alors ça m'intéresserait presque si j'avais eu la place. Pourquoi? Pour avoir la petite lampe torche sur le front, je crois qu'on peut l'utiliser. Hop, sauvegarde rapide quand même au cas où, parce qu'on est quand même tombé sur un ennemi qui est censé être difficilement tuable. Vous pouvez faire marche arrière, vous savez. C'est pas trop tard. Vous avez encore le choix. Tout le monde n'a pas cette chance. Que tu crois? Tiens, regarde, j'ai le mot de passe. Merde, c'est vrai. Allez, accès au système.
Ouvre-moi la porte. Bah alors, c'est bête, hein, j'ai accès à tes réserves. Boîte à déverrouiller, boîte à novice, boîte à outils, déverrouiller novice. Hop, parfait, on l'a eu. Ça y est. Même à tes Steam Pack. Ça va être chaud de se soigner derrière ça. Ok. Ouais. Cartouche, cartouche, cartouche. Voilà, mais. Cartouche. Silencieux rapidité, bien, c'est la balèze ça. Ça m'intéresse pas. Oh la vache, les armes. Oh la vache, j'avais pas vu. Le mini nuke. Dommage, le Fatman aurait été amélioré, je l'aurais pris. Mais bon, on peut pas tout rêver, on peut pas rêver de tout avoir. Ah, pousse-toi, Kanigou, t'es le seul en fait à venir me faire chier dans mes. Dans mes pattes. Ok. Encore une boîte de. À déverrouiller. Ah, raté. Parfait. C'est bon. Non, pour une novice, je la trouve assez. Assez violente, hein. Non, non, bon. Kanigou, pousse-toi. Oh. Terminal novice. Part. Partie, pardon. Betty. Non plus. Ok, pour l'instant, on n'a pas beaucoup de chance. Là, on en a un petit peu. Fluide, non. Raged, non plus. Alors. Non, on n'a rien ici. Rien par là. Je préfère vérifier juste un petit truc. Non. Là, si. Hop. Là aussi. Aussi. Là aussi. Ah là 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 là. Dans Rage, j'en avais un. Je crois. Non, Rage, j'en avais zéro. En mettre péril. Joli. C'était péril. C'est vraiment au pif, hein. Activation de la toile. Valentine a aimé. Il y a quelque chose dans les parages. Bon. Je dirais qu'ils ont des défenses automatisées. C'est bête. Commencer à devenir copain. J'ai presque cru qu'il y en avait une dans la. Pousse-toi, Kanigou. Ah, oh, c'est la. Putain, il saoule. Avance, casse-toi, casse-toi, casse-toi. C'est quoi ça? Tourelle laser 50. La gueule, c'est rentable. Ok, qu'est-ce qu'on a là? Rien du tout. Là, un ballon. Une autre porte. Une autre salle de bain. Boîte d'épingle à cheveux. Tu m'as toujours du mal par où ça passe, ça. Bon, et eh bien allons-y. Chewing gum, bloc notabi. Mais. Allons-y, allons-y. C'est parti. Vidéoprojecteur.
Trousse de soins. Boîte de munitions, mais c'est un lit médical. C'est une boîte médicale d'ailleurs. Génial. Ah non, même pas. C'est une boîte de vous avez réussi. Je suis là à deux pas. J'ordonne à mes synthétiques de baisser les armes. On va causer. On va causer, comment ça on va causer? Alors le voilà, l'homme le plus difficile à abattre du Commonwealth. C'est marrant. Je pensais que ce titre me revenait officiellement. J'aime pas ça, ils sont nombreux. Voilà où nous en sommes. Amusant, non? Où est Sean? Où est mon fils? Où est Sean? Je ne suis qu'une marionnette, l'ami, comme vous. C'est juste que je joue une division au-dessus. Sean est un brave petit. Juste un peu plus vieux que dans vos souvenirs, peut-être. Il ira loin. D'ailleurs, il est déjà loin d'ici, avec ceux qui tirent les ficelles. Où est-il? Tu vas parler, saloperie de mercenaire de merde. Où est mon fils? Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Si proche, et pourtant si loin. C'est pareil pour Sean. Mais voyez le bon côté des choses. Ah putain. Vous allez mourir en sachant qu'il est heureux. Et en sécurité. Un peu plus grand que dans vos souvenirs, peut-être. Au moins, il a trouvé une famille aimante à l'Institut. Comment le trouver? Où il est, cet Institut? Comment le trouver? Vous n'avez rien écouté ou quoi? Personne ne trouve l'Institut. C'est l'Institut qui vous trouve. Quand on regarde sous le lit, on ne trouve que de la poussière. On ne voit jamais le monstre qui se cache dessous. Jusqu'à ce qu'il vous saute à la gorge. Mais assez parlé, on sait tous les deux comment ça va finir. Alors. Oh, le flingue qu'il a! Passe aux choses sérieuses. Et vous? Oh, quand vous voulez. J'espère que vous êtes prêts. Non, non, non. Putain. Vous vous débrouillez mieux que... Mitraillette. Prévu. Maintenant, fini de rire. Par contre, je suis full encore, c'est ça? Putain, je suis encore full. Ça me saoule. Je vais la récupérer plus tard. C'est bien, Canigou. Le ménage est fait. Mot de passe terminé avec Kellogg. Optimiseur cérébral. What? Il avait des implants? Oh. Oh, 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 puis il est cheaté en plus. Tous ces implants. On devrait fouiller les lieux. Il était à peine. On trouvera sûrement quelque chose d'intéressant. Hop, je m'habille avec ces fringues qui sont carrément stylées. Admettons-le. Canigou. Hey. Échanger. Tu vas devoir porter des choses, Canigou. Ceci, par exemple. Ceci, ceci, ceci. Le lance-glaçon aussi. Le lance-missile aussi. Voilà, c'est bien. Bon chien. Il était à peine humain, en effet. Mais ça ne le sauvera pas. Ah, ça ne l'aura pas sauvé, pardon. Pareil au passé, il est mort. Hop. Rob Coffin. Et voilà. Inclut le jeu Pipfall. Faudra qu'on pense à y jouer à ces jeux. Alors. Collection mot de passe requis, parfait.
Afficher les journaux d'accès. Accès local, identifiant Kellogg, note jaune, le garçon livré à l'institut, paiement reçu, nouveau ordre, traqué des renégats. Renfort assemblé, fort à gun nettoyé et sécurisé, on bouge bientôt. Commande de la porte de sécurité, ouvrir les portes. Avant de partager avec l'autre. Oh, ils sont tellement moches. D'accord, en fait, il était juste ici. J'avais pas percuté où est-ce qu'on était en fait vis-à-vis du reste. Ici. Hop. Nick. On en faut qu'on parle. Nick. Parlez. Nick. Kellogg, racontait pas des salades alors. Votre fils est vraiment à l'institut. Dire que je sais même pas où c'est alors que c'est là qu'on m'a fabriqué. Tu m'étonnes. On va trouver un moyen. Il y a forcément un moyen, Nick. On est au pied du mur, là. Il faut prendre du recul, voir les choses autrement. Tout à fait d'accord. Il n'y a qu'une seule personne qui pourrait vouloir fouiller dans les petites affaires de l'Institut. Piper, la journaliste de Diamond City. On devrait aller lui parler de tout ça. En route pour Diamond City. Hey, au liqueur. C'est vrai qu'on est un peu dans le flou, mais ça va pas durer. Ouais. Plus facile à dire qu'à faire. Puis voilà, comme ils le mettent bien, partagez vos histoires avec machin. Non, ça c'est pas bon. What? J'ai fait verrouiller derrière, non? J'ai verrouillé la porte? C'est possible, hein? Fermez les portes. Bah non. Comment je suis censé sortir? Ah non, c'est d'accord, ok. C'est la porte par là qui m'intéresse. Pourquoi pas? Oh. Parfait. Parfait. On y va, les gars. Alors. Kenigou, dans l'ascenseur. Parfait. On y va. Montez. Ah, on va ressortir sur le toit, je pense. C'est l'ascenseur qui mène au toit. Vous savez, la porte qui était complètement verrouillée quand on y a été. Cool. Bah, merde. Ah, t'es là. Ça va, les mecs? Ah, vous faites peur comme ça. Tout toit. Accès au toit. Voilà, c'est bien ça. Terminal. Désactiver les tourelles. Commande de la porte de sécurité. T'as verrouillé, d'accord, on peut pas changer. Ok. Habitants du Commonwealth. Ouais, bah finalement on aura avancé. Détective Valentine. Oula. Faisait mal aux yeux. Bah n'empêche que ramène la clientèle. Nous sommes la confrérie de l'acier. Oh, c'est mes copains. Bonjour. Fréquence militaire trouvée. Ah. Faut que je mette plus de son dans les radios. Par souci de... jouabilité, entre guillemets. Alors. Répétition du message. Ici le paladin Dance, sur la fréquence 9.5. À toutes les unités de la confrérie de l'acier, entrez immédiatement au commissariat de Cambridge pour recevoir de nouveaux ordres. Il y a pas mal de gens ici qui pourraient avoir besoin d'aide. D'accord. Répétition du message. Ici le paladin Dance sur la fréquence 9.5.
À toutes les unités de la confrérie de l'acier, entrez immédiatement au commissariat de Cambridge pour recevoir de nouveaux ordres. Ok, vendu. Ça me valide pas ma caisse, hein, c'est cool. Ok. Déplacement rapide impossible à partir de cet endroit. Si tu le dis. Appelez. Et de là, est-ce qu'on peut? Alors nous, il faudrait que nous nous rendions à Sanctuary, chers amis. Hop. Et je pense de toute manière qu'on va se laisser là pour cet épisode qui a été à mon avis assez intéressant au niveau de son histoire. Tout comme le précédent. Bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce-vériser, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Pérou, vous pouvez trouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi, je vous remercie vous d'avoir regardé cette vidéo. J'invite à cliquer dans le descriptif de l'épisode de mon partenaire Gamesmanet.com qui m'a gracieusement offert le jeu ainsi que Star Wars Battlefront et Mad Max. Encore une fois, merci à eux, merci à vous de votre fidélité. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures et je vous... Vous avez beaucoup de chance, je vous dispense de tout le moment où je vais ranger mon bordel. Salut les gens. Hop et hop.